Nous sommes donc le 10 septembre 1944, c'est l'été caniculaire de 1944, et un commissaire de police lyonnais, qui s'appelle Georges Duroy, monte de Lyon dans le Vercors, pour donc une époque, une terre de martyrs, puisqu'il y a eu à la fin juillet 800 morts, dont 200 civils, dans les combats du maquis du Vercors. Donc Georges Duroy monte dans le Vercors, à bord de sa Peugeot, pour transférer une prisonnière, une collaborationniste. Et quand il arrive dans le Vercors, c'est une mission de routine, et quand il arrive dans le Vercors, il y a un crime qui a été commis. Une jeune femme, Marie Valette, institutrice, fille de résistant, qui est retrouvée morte dans une clairière, sans doute violée et tondue. Et on ne tondait pas les filles de résistants. Ce qu'on a tondu à cette époque-là, dans les quelques jours qui ont suivi la libération, dans les quelques mois, 20 000 femmes, dont 10 000 pour ce qu'on appelait la collaboration horizontale. Et donc, il se met à enquêter sur le crime qui a été commis, parce qu'il voit qu'il y a un problème entre le fait qu'elle a été tondue alors que son frère est mort dans le maquis, son père est un résistant. Et il fait la rencontre de... Georges est assez taciturne comme commissaire. Voilà, quelqu'un de... qui a le sens du juste. Il fait la rencontre d'une journaliste, une photoreporteur de guerre américaine, qui s'appelle Judith Ashton, qui est sur le Vercors. Elle attend... En fait, elle le dit dans le livre, elle est juive de loin, entre guillemets, et elle veut aller prendre la première photo des camps de concentration. Donc, et avant de rattraper l'armée américaine, elle est encore... donc le 10 septembre 1944 dans le Vercors, et elle s'allie avec Georges Duroy durant une journée pour retrouver les véritables assassins de Marie Valette. Je pense que c'est pas vraiment un polar historique. Voilà, c'est l'enquête, bien sûr on a envie de savoir, mais c'est pas le propos du roman. C'est un vrai roman noir pour étudier la figure du héros, puisque dans le grand récit national, nous avons gagné la guerre avec les Anglais et les Américains. Mais dans les faits, on a plutôt perdu la guerre. Et il y a eu 24 millions de morts soviétiques, dont 18 millions de morts russes. Donc le grand récit national a eu besoin, pour réconcilier une nation, de raconter des mensonges, enfin, mettre en place des distorsions de l'histoire. Et ça a percuté mon histoire personnelle, puisque, comme dans toutes les familles françaises, j'avais deux grands-pères résistants. Mais a priori, ça ne peut pas être vrai pour tous les Français. Parce qu'il y avait une minorité de collaborateurs, une minorité de résistants, une grande majorité de gens qui n'ont rien fait. Et parfois pour des raisons légitimes, d'ailleurs. Je ne porte pas de jugement de valeur. Parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une famille. C'est pas pareil que quand on a 16 ou 17 ans et qu'on est appelé en Allemagne pour aller travailler pour le STO, pour aller travailler dans une usine. Là, c'est un vrai mouvement de jeunesse, en fait, la résistance. Il y avait Jean Moulin, il y avait Brossolette, il y a des gens qui ont encadré, qui avaient, eux, beaucoup à perdre, mais souvent, c'était de jeunes gens avec un romantisme qui sont partis au maquis pour ne pas partir en Allemagne. Et donc, moi, j'avais toujours cette idée de mon grand-père maternel. Mon grand-père paternel, c'est certain, parce que son frère est devenu numéro 2 du SDEC, ancêtre de la DGSE, de par ses activités dans la résistance, donc ça, c'était clair. Mais du côté maternel, mon grand-père, comme dans beaucoup de familles, ne voulait pas parler de la Seconde Guerre mondiale. Et vers la fin de sa vie, on a appris qu'il a travaillé dans la police française jusqu'en 1941, on pense. Et puis après, on a appris aussi qu'il avait une petite enquête en 1945. Et donc la légende de la famille, qu'on avait deux fermes qui étaient des cages de la résistance, alors que mon grand-père ne voulait pas en parler, on s'est dit, mais il y a un problème, peut-être qu'on est d'une famille de collabos, tout simplement. Et quand mon grand-père est mort, ma maman a trouvé un coffre, a trouvé les archives de mon grand-père de cette époque-là. Il y avait 300 documents, des lettres de délation manuscrites, des organigrammes de la résistance écrits à la main, avec le nom des zones de parachutage, des personnes à contacter. Donc là, on a eu la certitude qu'en fait, oui, effectivement, c'était un résistant. Et il y avait beaucoup de rapports de police, parce que donc il a été nommé commissaire de police dans un village, dans la Drôme, et il a encadré l'épuration. C'est-à-dire que au moment où ça ressemble finalement à des moments politiques de l'histoire,
la Révolution, par exemple, où il n'y a plus vraiment d'État, il y a un moment de bascule. Et avant que l'État se remette en place, eh bien, il y a des FFI qui ont géré sur des micro-territoires, qui ont eu le pouvoir. Et voilà, moi, je voulais porter un regard critique par rapport au grand récit national. Voilà, et raconter, rendre grâce aussi peut-être aux 20 000 tondus, souvent les femmes qui sont sacrifiées au moment où une collectivité a besoin de sacrer, en fait, je dirais, pour refaire un collectif. Et donc, c'est un roman qui est assez... C'est un roman avec les miens à l'intérieur, j'ai l'habitude de dire.